Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle. Vous pouvez deviner derrière moi ce monstre sacré du Stade de France où je suis en direct ce soir pour vous causer du quintet à Mêlée du Maine. Et oui, je suis un fan de Mylène Farmer. Ça fait un an et demi que j'ai pris mon billet et je vais vivre cette grande passion. Moi, je suis un fan de Mylène depuis Maman a tort, depuis son premier titre, et ce qui va me permettre demain de vous causer en direct de l'hippodrome d'Auteuil. Donc pour mes amis parisiennes et parisiens, je serai à Auteuil demain matin au début de la réunion à partir de 11h. Donc maintenant, le quintet à Mêlée du Maine, un cheval a visé la course, tout le monde le sait, je ne vous révèle rien. C'est le 4 Inno du Lupin, l'équipe Marmion avec Antoine Viels ne vont pas rater un tel objectif. Et puis, il y a un cheval qui m'a fait mentir tout l'hiver, mais je n'en veux pas, parce que je l'aime. Il avait gagné l'Élite Clopette, c'est le 16 Onec. Par rapport aux gros morceaux qui l'attendent, cette course est super facile pour lui. Normalement, il doit être assez facilement dans les 5. Et puis, devant le 5, In Excess Bleu, lui aussi, trouve un engagement qui est simple, parce qu'après, ça va être des gros morceaux à Vincennes. Avec Alexandre Abrivard, il a le gros avantage de partir devant. Et puis, Gaspard Dangis m'a donné raison. Je vous avais dit la dernière fois que la course était son objectif. Il l'a gagné. Cette fois, ce n'est plus l'objectif. Le cheval est toujours au top, mais il rend 25 mètres à des chevaux qui ont la même valeur que lui. Donc cette fois, il va être plus placé que gagnant. Et puis j'ai été impressionné par le style de Jem Le Foot dans le Critérium. Je ne l'avais pas mis dans mon prono, mais ce jour-là, il a été très très malheureux. Il finit 6e du Critérium. La ligne est en béton armé. Plus heureux, il aurait fini dans les 3. Donc ce 2 Jem Le Foot, je l'aime bien. Et il peut corser les rapports. Il est annoncé à 20 contre 1. Le 3 Im du Gers sera en sous-cote. Pourquoi? Parce que c'est l'élève de Jean-Michel Bazir. JMB est au sulky, donc il aspire toujours beaucoup d'argent. Maintenant, Im du Gers vient de bien gagner, mais c'est pour ça. Et là, il tombe sur du lourd. Il peut gagner parce que JMB est un gagnant dans l'âme. Mais raisonnablement, je le vois plus 3, 4, 5, 6 que premier. Et puis le 6 Harlem de Bussy, je l'avais trouvé le jour où il a surpris dans le prix de Paris. C'était il y a pratiquement 2 ans. Depuis, je lui ai toujours donné ma fidélité. Donc ce 6 est encore une fois dans ma sélection. En plus, ça tombe bien, c'est mon abonnement à Franck Nivard. Et puis, il me fait mentir ces derniers temps, alors que c'est mon idole, c'est Just Gigolo, le numéro 15. J'ai l'impression, parce qu'il ne m'a pas plu deux fois de suite, notamment la dernière fois à Vincennes, j'ai l'impression qu'il n'aime plus Vincennes parce qu'il a eu des combats difficiles. Regardez sa dernière course en province. Il l'a gagné devant Onec et mon idole en Piam et DSM. Donc je me dis, s'il n'aime plus Vincennes, à Mêlée du Maine, mon chouchou, mon idole, le 15 Just Gigolo, est capable de se rappeler à mon autre bon souvenir, à Bellecote, avec Benjamin Rochard qui adore être là, à grosse cote, 4, 16, 5, 9, 2, 3, 6 et 15. Et demain, je vous ferai cette vidéo en direct de l'hippodrome d'Auteuil. Bonne chance à tous. Mon indice de confiance est de 3 sur 5 et le cheval de Madame Colombo est le 8 Bordeaux S.